dark side. I wanna be your left hand man. Bon matin tout le monde, et présentement non parce que la climatisation 8h28 le matin non. On est debout depuis 7h. Écoutez, il y avait juste ma mère qui a réveillé, mais on a réveillé tout le monde. Ce matin, c'est avant midi aujourd'hui, ils réparent les escaliers chez nous. Ils changent le bois pour le vrai bois, si vous avez suivi l'histoire. Ils s'étaient trompés de bois dans notre escalier, fait que ça faisait, j'étais pas satisfaite, là, ça faisait pas le même résultat. Fait qu'ils sont venus les changer, c'est aujourd'hui, fait qu'on n'est pas relocalisé, mais à cause qu'on a des enfants, ben disons pas de ça même, mais tu sais, à cause qu'on a des enfants, c'est mieux de pas être à la maison, là. Regarde ça! Oh, ben oui! Fait que, on s'en va faire une journée spéciale, et les gars, ils savent pas du tout où on va, mais on va. Et de la famille, Anthony. Je vais mettre plus de climatique. Ouais, c'est ça. Puis, ouh, c'est un peu trop fort. Puis, dans le fond, puis, ben, depuis le confinement, on les a pas vus. Ils vont capoter. Ils vont Fait que eux ils sont là comme pour la semaine. Fait que tu sais, on a le droit à des rassemblements de 10 personnes et tout ça. Hein? Jusqu'à 3 familles, mais on est 2 familles. Maman, oui? Maman, pourquoi les messieurs sont là? Il n'y a pas de messieurs méchants. Mais oui. Non. Mais c'est compliqué de faire. De toute façon, elle dort beaucoup. J'ai préparé. Maman, oui? Maman, oui? Les messieurs. Oh, il y avait une passe penchée, peut-être qu'il était pas content. Mais, tu sais, moi j'ai préparé le lunch hier. T'sais, nous on va manger nos choses, ils vont manger leurs choses. Donc, c'est très, très safe, là, inquiétez-vous pas. Puis en passant, Anthony a été testé négatif au COVID. Il a eu sa réponse hier. Il a été testé négatif. Fait que, c'est ça, on n'a pas réussi. Maman, genre une semaine. Regarde, arrête, t'es au Canadian Tire. Parce que vous savez, les petites clôtures blanches qu'on a achetées, là, ça vaut pas de la vente. Puis c'était quand même genre 9 piastres chaque, là, puis j'en avais 8. Alors, on est venu les remonter. On va aller voir dedans c'est quoi qu'il y a. Allez, on va aller ouvrir la porte. Allez dedans. Par là je pense, ouais. Pour ouvrir la porte. Oui. Pour ouvrir vite vite la porte parce qu'il y a beaucoup de moustiques. Vas-y, rentre vite. Vas-y, rentre. C'est qui ça? C'est qui ça? Regarde! C'est qui? C'est Pablo et Ethan! C'est ta mandala dans mes bras. Si vous êtes jamais venu ici avec nous, c'est le salon, la cuisine, en haut. Mais là, ils ont comme fermé en haut parce que c'est dangereux avec les enfants. Ouais, mais parce que c'est gros les espaces. N'importe quel deux peut tomber. Ouais. Ça, puis il y a deux chambres là-bas. Il y a deux chambres là-bas, une toilette. Les retrouvailles. Ils jouent après à Fabien de nuit.
5h quelque chose. Ouais, c'est une fête, allez voir. Les gars sont partis comme pêcher, mais pas vraiment pêcher. Ils vont mettre qu'est-ce qu'ils vont prendre. On voit pas grand-chose. Bon, là, je suis toute seule avec les enfants. C'est une fête, allez voir qu'est-ce que les gars font. Ça fait comme 2h, je pense, qu'ils sont sur le lac. Ça se peut. Je me suis baignée en fin de compte. Allô, Pablo? Tu t'ennuies de moi? Oui. Ouais, c'est ça. Ça faisait vraiment longtemps qu'on les avait pas vus. Non, on joue pas dans les chambres. Non, on joue pas dans les chambres. Ok. Laisse une chance, ça. Fait que. C'est ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Amanda a fait dire aussi. En fin de compte, on l'a baigné. On s'est baigné avec elle. Moi, je pensais rester à côté. Attendez. Attends. Je pensais rester avec elle. Non, on sort de là. On sort de là. Je pensais rester avec elle. Non, je sais qu'il n'y a pas de temps, mais Emma, elle fait dodo. On va pas la réveiller. Fais dodo dans votre chambre. Je suis fatiguée. J'ai pris un café ce matin, mais là, je suis fatiguée. Ah, c'est ça. On s'est baigné avec elle. Moi, j'allais pas me baigner. En fin de compte, je suis revenue ici. Je me suis changée quand j'ai vu qu'elle dormirait pas. Là, je pensais qu'elle dormirait comme après la baignade. Il était genre 3 heures. Et non, en fin de compte. Elle n'est pas réveillée. En fin de compte, elle est zéro dormie de la journée. Elle va être tellement morte. Là. En plus, c'est moi qui l'ai levée ce matin. Ok. D'accord. Il fait chaud, 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 chaud. On est rendu 8h. Je ne l'ai pas tant vlogué. Ouais, ma barbe de sans appeler parce que le barbier est fermé. Tony, il avait ouvert la barrière parce que c'est un chemin privé, puis là la barrière était fermée pour sortir. Dans le fond, ben, eux ils sont dans leur auto, nous on est dans notre auto. Eux ils restent là au camping. Ouais, ils étaient déjà là. Ils restent au chalet, ils étaient déjà là. Ils restent juste. On est venus passer la journée parce que j'ai un jour comme ça. Ouais, puis dans le fond, il fallait pas être en maison là. C'est une super option. Mais tu sais, c'est loin là, de chez nous, là. C'est à 1h50. 2 heures, là. C'est quand même 4 heures en une journée. Mais tu sais, là, c'était parfait parce que ben, les enfants sont tellement contents. Ils ont joué full dehors. Ben, en fait, ils ont joué tout le temps dehors. On s'est baigné, on était dans le bateau. Ouais. Puis, pêché pendant 2 heures. On n'a pas pêché. En fait, ils n'ont pas pêché, en fait. On a pêché brisé. Ouais, on a fait un tour de bateau. Ouais, t'as cueilli des roches pour les poissons. Pourquoi le coin de poule, maman? Ah oui! Le coin de poule! Puis vous avez passé une belle journée, hein? Pourquoi le coin de poule? À quand? Ah oui, oui. On va à la crème glacée. Là, c'est ça qu'on fait. On s'en va à la crèmerie, dans le fond. Ouais, c'est fou, là. C'est fou, fou, fou. Anthony avait acheté ça, mais ça va bien. Moi, je me suis pas fait piquer quand j'avais ça. Moi, je sais pas qu'est-ce que mon sang y a, mais les bébites m'adorent.
Fait que là, en tout cas, même quand il n'y a pas de bébé dehors, moi j'en ai après mes cheveux, c'est sûr. Ouais, c'est fou. Mais moi je me suis pas fait piquer. Ça doit être ma soeur, elle doit être salée ou je sais. J'ai donné pareil. Fait que c'est le fameux moment de s'est baigné, c'était pas prévu, fait que s'est baigné à habiller, là, mais c'est pas grave. De toute façon, j'avais toutes des rechanges. Puis là, c'est ça, nous on s'en va. Fait qu'on va arrêter. Il est 8h13. On va arrêter à la crèmerie qui est comme à 15-20 minutes d'ici, dans un autre village. Puis nous, c'est comme sur notre chemin. Fait qu'eux, ils vont revenir au chalet, puis nous, on va partir. Mais tiens, on va manger à l'intérieur de la crèmerie pour eux. On va manger là. Ok. Voilà. On s'en va là. On est le lendemain. Je n'ai pas conclu le vlog hier parce que on a juste été à la crèmerie. Il y avait 1 million de moustiques. Puis, tu sais, j'ai mangé. On a mangé devant notre auto. Là. C'est ça. Je n'ai pas filmé ça. Puis, on est arrivé à la maison quand même tard, genre 10 heures. Parce que c'est quand même à 1h50 de route, comme je t'ai dit. On était mort, fatigués, là. Ça n'avait pas de sens. Fait que. C'est ça. C'était vraiment une super de belle journée hier. Puis là, je tiens à vous mentionner quelque chose. Parce que j'ai sûrement des commentaires, parce qu'on a vu d'autres mondes. Mais c'est ça. Alors, on a été vraiment beaucoup dehors. Fait que, on a resté beaucoup dehors. On était c'est ça, au chalet, comme je vous ai dit. Il était aussi au chalet. Mais c'est ça. T'sais, oui, les enfants. Ils se sont collés un peu et tout ça. Mais écoutez, là, sérieusement, il n'y avait pas vu d'autres enfants depuis début mars. Je voulais vraiment vous partager quand même leur retrouvailles. C'est ça, ça leur a fait tellement du bien là, de voir d'autres personnes. Ils étaient vraiment contents. Ils ont passé tellement une belle journée. Puis tu sais, nous, on savait que on était négatif là, au COVID parce qu'Anthony avait passé le test vendredi. Fait que là, c'est sûr qu'on était mercredi. T'sais, il a pas travaillé la fin de semaine. Oui, il a travaillé lundi, mardi. Mais t'sais, il n'y a plus de cas de COVID, je pense, dans son département. Oh, excusez, j'ai plein de piqûres, ça me pique. Puis... c'est ça, puis eux, ils restent vraiment juste chez eux, ensemble. Dans le fond, il y avait Cynthia, ses enfants, son chum, puis il y a aussi le frère de son chum, mais il reste avec eux, genre. Fait que depuis le début, ils sont comme juste ensemble, et ils restent chez eux. Fait que c'est ça, ça a fait vraiment du bien, puis c'était comme un semblant de vie normale. C'est fou, sa fille, elle a vraiment grandi, nous on l'avait vue, elle était toute petite. C'est ça. Fait que je veux pas de commentaires négatifs par rapport à ça, s'il vous plaît, là. Je veux juste vous supprimer. Sérieux. Puis c'est pas que je veux pas avoir votre avis là-dessus et tout, là. Nous, sérieux, ça a juste fait du bien, là. T'sais, en tout, c'était 4 heures de route dans une journée, mais ça a fait du bien de juste, comme, avoir une petite vie normale pendant une journée. Oh, mes piqûres me font mal. Fait que c'est ça que je vais vous dire. Voilà. Dans mon prochain vlog, je vous parlerai d'allaitement avec Amanda parce que là, c'est bien compliqué. J'en ai parlé sur Instagram, mais c'est ça. En tout cas, c'est vraiment compliqué là. Depuis 3 jours, elle veut plus boire de mon lait. Genre, elle me dit non, puis elle se tourne la tête. Puis depuis 3 jours, ses 2 dents centrales, ils percent, mais ils percent vraiment intense. Genre, j'ai jamais vu ça pousser de même pour. J'ai donné ma brique là. Comme au lieu de sortir juste le bout, on dirait que tout apparaît d'un coup. C'est vraiment intense. Fait que je pense que le mal aux dents. Fait que j'y propose quand même le sein là. Mais c'est ça, ça va être compliqué. Ça me décourage. Sérieux, à chaque jour, je pleure. Depuis que ça arrive. Fait que, en tout cas, on en reparlera dans une prochaine vidéo là. Je vous dis bye bye. On se revoit demain.